C'est parti avec le 4 Miss Derpion qui prend l'avantage devant le 5 Graxo, 4 et 5 qui se détache du 6 qui prend la corde. Il s'agit de Magic Vivant. Et puis on a le 2, c'est Miss Money Penny et de nombreux sulky pour retrouver ensuite eh bien, Melting Pot le 3. Miss Derpion en commandement, Graxo, galop en deuxième position qui laisse place à Magic Vivant, troisième place pour Miss Money Penny. Ensuite, on retrouve un petit peu plus loin le numéro 3, c'est Melting Pot qui est bien le trop pour le moment. Et encore un petit peu plus loin, on retrouve le reste du paquet. On va très très vite en tête de course avec Miss Derpion. Luke Rollins en a plein les mains. Ouais, pour l'instant, c'est très facile, sans rien demander d'ailleurs. Ensuite, nous avons donc Magic Vivant, le numéro 6. Miss Money Penny qui est en troisième position. Et derrière, eh bien, en file indienne, hein, on essaye de suivre. On se demande qui va eh bien, tenter de revenir sur le leader qu'est Miss Derpion qui augmente son avantage. Ah oui, toujours 20-30 mètres d'avance hein, pour Miss Derpion dans ce deuxième virage. Magic Vivant ne semble pas décider à mener la chasse derrière. Miss Money Penny non plus. On prend son temps avec Melting Pot, tout comme MD de la Futée. Mounak Lolas ensuite, suivi par Magic Vivant. Seul en tête, seul au monde pour le moment, c'est le 4 Miss Derpion. Oui, notez que pour l'instant, eh bien, elle n'a absolument pas forcé, elle ne tire pas non plus. Hein. Le 4 en tête, facile mise d'Herpion, devant toujours le numéro 6, Magic Vivant. Ensuite, derrière, il y a Miss Money Penny qui est troisième en finale indienne. Derrière Miss Money Penny, on retrouve le 3, c'est Melting Pot devant encore eh bien, le numéro 8M de la Futée. Ah oui, 100 mètres du poteau, l'avance de Miss Derpion a quelque peu fondu, mais a été fortement reprise hein, par Luke Rollins, son temps de la décontracter. Toujours en deuxième position à quelques longueurs, maintenant le numéro 6, Magic Vivant, suivi par le numéro 2, même Miss Money Penny, elle-même suivie par le numéro 3, Melting Pot, et ensuite les autres suivent toujours. On accroche bien avec le numéro 8, MD de la Futée. Ouais, toujours le 4 qui est presque rejointe hein, maintenant, Miss Derpion. Mais attention, la course est loin d'être terminée. Elle peut repartir devant le 6 Magic Vivant à la corde. Ensuite, il y a le 2 Andorre, Miss Money Penny qui tente quelque chose devant le 3 qui est 4ème. Ensuite, nous avons le 8 et le 7 Mounak Lolas. 300 mètres à parcourir pour Miss Derpion qui semble toujours avoir beaucoup de ressources en tête de course, accompagnée bientôt par Miss Money Penny, Magic Vivant dans leur sillage, Melting Pot qui est ensuite, Mounak Lolas qui a tracé une bonne ligne droite, tout comme le numéro 10, Magic de Morgan, Miss Derpion qui tente de repartir, David. Oui, attention, tout en haut, Mounak Lolas, le 7 aussi, Kazakh Rouge qui finit comme un boulet de canon, le 4, le 2 à la lutte pour le succès, c'est logique, on s'y attendait, Miss Derpion, Miss Money Penny, Miss Derpion qui l'emporte de bout en bout devant le 2, le 3 et le 7. C'est bien ça, David, Miss Derpion qui s'impose d'un bout à l'autre du parcours.